Coucou, alors c'est Fessy Machin, cool ou cool? On est les Tentacools en direct du carré de la ville! Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, l'argent ou l'amour? Va à la bande festive pour choisir une équipe! Voici les cartes du festival, tadam! Supermarché, c'est assez! Se balader dans un supermarché après la fermeture, c'est le luxe suprême, je le sais! Viens, on va aller faire des grimaces devant les caméras. Brrr. Tour Girel. Ce paysage nocturne a quelque chose de magique. Tu trouves pas? Si ça continue, tu vas passer tout le festival à contempler le stationnement. On a créé une carte tout spécialement pour ce festival, la plateforme polymorphe. Moi, j'ai rien fait. Si tout s'écroule, vous savez à qui vous adressez. Je ferai les Salmon Boss au point où ils ne m'attaquent pas. Ça où t'es, tu es si petite qu'ils pensent que tu es un Salmon Rush. Lala. En tout cas, n'oubliez pas, quand le bateau coule, on reste en ta coule. Et que le Splatfest commence. Tam, nam. Moi, j'ai pris Team Amour, l'équipe Amour. Nan, 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 nan. C'est temps de faire le party, puisque Père et Coralie ne sont plus ici. C'est dans ma ville. Bon, allons jouer, là, c'est pas le temps de niaiser. Bon, attends, on va aller voir un ancien joueur, mais une ancienne personne qui a déjà été dans le premier. Oups. Bon, allons jouer, là, c'est ça qui est plus important, c'est d'aller avoir beaucoup de victoires dans mon équipe, évidemment, dans l'équipe Amour, puisqu'aujourd'hui, j'ai eu 4 victoires contre l'équipe Argent. J'en ai eu 2-3 défaites contre eux. Oh, ça me donne pas de commencer avec ce gun-là cette fois-ci. J'ai eu l'envie de jouer avec le Push-Push Pronium pour commencer. Pour faire un petit peu plaisir, là, pour gagner si on joue contre l'autre équipe, évidemment. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que vous jouez, que vous voyez bien... la télévision. Bon, si vous m'entendez bien, c'est une bonne chose. Bon, là, je cherche une partie. Je suis niveau 55 et virtuose en amour. Ah, il y en a déjà qui sont rendus en roi et reine. Reine en amour, roi en amour. Bon, pourvu qu'on est capable, pourvu que mon équipe gagne. C'est juste pour vous le prévenir que mon équipe a déjà le premier point. Parce que comme vous pouvez le constater, je joue contre mon équipe en ce moment, qui est en rose aussi. Déjà, le premier point a été confirmé dans notre équipe. C'est-à-dire juste à bien jouer dans mon équipe. Oh yeah, plateforme polymorphe. Juste qu'il faudrait que mon équipe joue bien quand ils jouent contre la team Argent. Bon, et c'est parti. Bon, moi j'ai mis une affaire qui tourne dans mon côté parce que c'est pour qu'ils mettent de l'encre alentour du cercle, évidemment. C'est un truc que je vous donne. À part si vous êtes pas dans mon équipe, dans l'équipe argent, écoutez pas ce conseil-là, parce que vous avez pas le droit de prendre des conseils dans mon... ici. C'est-à-dire, vous regardez le mauvais YouTuber si vous êtes argent. Mais non, je vous niaise, vous avez le droit de me regarder, même si vous êtes contre moi pour le festival, là. Le but, c'est qu'on puisse s'amuser ensemble. Non, toi, tu me touches pas. C'est-à-dire, il faut s'amuser lors des Splatfest. C'est fou l'important. Sinon, ben, c'est plate si on s'amuse pas, évidemment. C'est que ça va être la phrase de Coralie. L'important, c'est de s'amuser. C'est pour ça que c'est toujours autant de fun. Oh, yeah, je m'en vais dans leur base. Hein. Bon. Ah, j'ai pas vu la bombe grenade. Bombe splash. On est capable, même si c'est notre équipe. Je me demande si ils nous enlèvent un point ou s'ils nous en rajoutent un ou s'ils rajoutent le point qu'on a gagné si on fait juste jouer contre notre équipe. Parce que là, quand même, je n'aime pas ça, jouer contre mon équipe. Ah, shit, il y avait un snipe, lui. Concentration zoom. Parce que, hey, ça m'a fait peur quand il m'a éclaboussé. On t'y verra. Ah. Je peux pas l'utiliser la gun parce qu'il y a des multimissiles qui s'en viennent.
Bon. Ça avance tranquillement, c'est quand même pas mal serré. Alors. C'est mon équipe, la plupart du temps je perdais. Ah. C'est maintenant ou jamais, il reste encore une minute de jeu. C'est le temps de faire gagner. C'est le temps de la faire gagner. Gagner avec mon équipe, c'est comme gagner à la loterie, même si j'ai pas l'air. Bon, il faut y aller. On est capable. Bon, mais ça paraît qu'on est en danger. C'est pas fort, mais oui, c'est fort parce que là, on joue contre notre équipe, là. Bon, il y a une autre push-push-ponium. Bon, j'aurais voulu faire une petite fête avec, là. Mais c'est la bombe splash qui m'a éclaboussé. C'est le temps de chanter, 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 c'est la vie. Ah, j'ai plus rien. Bon, merde. Cette première partie que j'avais faire, je pense que c'est une défaite contre mon équipe. Ouais, une défaite. Ah, ce joueur-là, le rouleau héroïque. Réplique. Bon, pour rencontrer l'autre équipe, ça serait plus intéressant. Plus de suspense pour savoir qui va gagner. En vidéo, c'est toujours ça le plus intéressant, quand même. Bon, j'ai le goût de changer d'accessoire un peu, là. Bon, quel accessoire que je prends? Je prends ceci. Une sorte de lunette extraterrestre, je pense que ça s'appelle. Bon, je vais l'appeler de même, là. Yeah! Mon équipe est prête. Mon équipe amour est prête. Go! On est capable. On est tous des virtuoses dans notre équipe en amour. On va voir si on va affronter Argent. S'il vous plaît, l'argent. On vous affronte, on vous défie. Venez donc dans la partie contre nous. Parce qu'on veut, gagner, évidemment. Là, vous savez, c'est nous les meilleurs. Là. Bon, en attente d'autres joueurs, à part si le temps est écoulé, ce serait très dommage. Bon, mais mon surnom est Sampic. Dans Splatoon aussi. Dans Splatoon 2 aussi, c'est comme ça, comme le nom de ma chaîne, évidemment. Sinon, ce serait quoi si on va dire que mon surnom de ma chaîne aurait été comme un autre surnom et que ma souris serait appelée de ce nom-là, ça aurait été comme différent. Ah yes, le match va commencer contre l'équipe jaune. Contre Argent. C'est comme tu te mets un surnom, faut que tu aies le même surnom. Mais je dis ça de même, peut-être que ça pourrait être faux, mon affaire. Comme t'as un surnom, faut que tu le mettes sur ta chaîne YouTube si c'est le cas, si tu fais des vidéos comme moi. Peut-être que je me trompe aussi. Le match commence. J'ai pas vu grande personne qui a pris le nouveau gun vraiment. Qui est sorti hier. Ah ben oui, le joueur que j'ai éclaboussé a... il l'a! Un nouveau gun! Oh mon dieu! Va te cacher, va te cacher, va te cacher, va te cacher, va te cacher! Je sais que je peux cacher une bonne place là! Yeah. Ah mon dieu! Aïe aïe aïe! Mais j'étais pris! J'étais pris! Misère de misère! Bon, mais j'ai quand même, fallait que je me fasse éclabousser. J'aurais pu éclabousser les deux, ça aurait pu quand même. C'est juste que j'ai mal joué sur ce coup-là. Tellement belle la plateforme polymorphe, pour vrai, je l'adore. Mais j'aimais mieux lui de Action versus Amour. Action versus Amour. Action versus Comédie. Ça parlait de. De film. Ah, il me lâche pas le gun là. Ouais, toi, t'as. Oh, aïe, ZMC. T'es rapide. Speed, you speed. Je pense que c'est le bon mot, hein, j'espère. Bon, on va y aller. On est capable. Capable d'avoir le premier point dans ma vidéo contre la vraie équipe.
Bon, la boule sphère, il va. Oh, il y a quelqu'un qui est là. Ah, mais vite, approche. Je veux pas me faire éclabousser par derrière non plus. Ah. Lit de l'art. Bon, il a sûrement mis son signe d'amour. Encore une minute, c'est maintenant ou jamais. C'est le temps ou jamais. Il faut gagner contre eux autres, évidemment. Il faut pas rater le Splatfest. Et je sais que j'ai mal le prononcer, le Splatfest, et je me transforme en... Alors, je fais un peu, là. Yeah. C'est le temps de gagner. L'autre team sont en danger. Écoutez-là, je t'ai vu. Ah, c'est Jose encore. Salut, Jose. Je fais le salut. Ah ouais, je suis pas dans ton équipe. On peut pas se parler. On est versus. Ouais, grimpe. Terminé. Ah, mais on a gagné facilement parce que l'autre équipe était en danger. Ah, mais même en regardant la carte, c'est Chabitre qui va nous montrer le drapeau. 58,3%, 1395 points. 38,8%, 927 points. Je ne vous dirai pas le pointage quand je vais jouer contre mon équipe. Même si je gagne ou que je perds, je n'ai pas l'intention de dire quand même le pointage. Sinon, on va essayer de gagner de plus en plus. J'espère de gagner le festival. Bon, on va changer de gun. Et nous allons prendre lequel que je pourrais bien prendre. Pour faire le festival que je suis bon. Bon, je vais prendre un qui s'en est dedans. Je vais prendre le écrit Fugueur Neo, le nouveau gun qui est sorti hier dès 21h si je me trompe pas. Sinon, si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo de Splatoon 2 aujourd'hui à cause du Splatfest, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez l'intention que je fasse une autre vidéo à cause du festival Argent versus Amour. Ça va être la seule fois que je pourrais vous le proposer. Mais à chaque Splatfest, je pourrais faire ça, faire deux vidéos si vous avez l'envie de que je vous fasse deux vidéos par jour, mais juste pour les Splatfest. Que je dis ça. Juste deux vidéos de Splatoon, du Splatfest, à chaque Splatfest qu'il va avoir. Je vais essayer de faire mon possible de vous les prévenir aussi dans l'une de mes vidéos la prochaine fois qu'il y aura un festival dans Splatoon 2. Mais je vais essayer d'y penser, de ne pas vous dire quelle équipe que je prends. Ça va être une surprise lors du festival, évidemment. Mais je vais juste améliorer, évidemment, mon chandail avant que le festival recommence. Bon, mais mon équipe est prête. On attend d'autres joueurs. Ah, je joue contre mon équipe encore. Mais encore, ça, je pense que c'est la première fois dans la vidéo que la première ou la deuxième fois. C'est très plate que je joue contre mon équipe, évidemment. Oh, supermarché, c'est assez. Écrivez-moi dans les commentaires si vous aimez ça ou non de jouer contre votre équipe. Moi, je trouve ça très déplaisant. Peut-être pour vous, vous trouvez ça drôle parce que vous pouvez niaiser. Oh, oui, c'est vrai, j'ai changé de gun. Peut-être que pour vous, vous trouvez que vous pouvez niaiser avec, comme ça, comme que je vais faire là. Ou tourner en rond et sauter. La plupart des personnes font souvent ça. Ils sautent et qui tournent envers eux. Bon. Au moins, on peut tester le nouveau gun. Ah, j'ai pas l'habitude de jouer avec cette sorte de gun-là. Yeah. Ah, bravo, Jorbe Gamer. Ah, il manque de la couleur. Déjà, il y a des missiles qui s'en viennent. Ça vient me voir pour m'éclabousser. Bon, encore des missiles. Ah, je comprends. Il y a deux doubles encore dans leur équipe avec le N-Zap. Ah, bon, ça doit être le N-Zap ou un double ancreur, là. Bon, là, on aura la paix. Bon, go, là. Ah, il y avait quelqu'un qui était derrière moi.
Je l'ai même pas vu. Ah, le gars, bon, pas grave. Go, amour. Ah, ouais, c'est vrai. Je joue contre l'amour. Je peux pas encourager mon équipe et ni l'autre équipe. J'encourage la même équipe. Go, amour, n'importe quoi, ça dérange pas de gagner. Quand je joue, quand on joue contre notre équipe, ça nous dérange pas de gagner ou de perdre. C'est juste que, est-ce que on gagne le point ou on le perd? C'est la vraie question, quand même. Faudrait poser la question à Nintendo, pourquoi ils font pas une vraie mise à jour? Parce que là, faire des splatfests, ben, jouer contre son équipe, c'est vraiment nul à chier. Désolé du langage. Bon, mais déjà en partant, chaque fois que je joue contre mon équipe, j'arrête pas de perdre, c'est pas fort. Je voudrais juste gagner contre mon équipe. Bon, c'est parti. Et on lance. Bon, ben, je pense que le joueur-là est fait. Ok, on y va. Ah, les Enzas sont assez forts pour m'éclabousser. On est capable. Ah, ben oui, c'est vrai, je viens de repenser. Je joue contre mon équipe. Pensant à ça, Nintendo, il faudrait qu'il fasse une vraie mise à jour. Ah, j'ai touché. Vous avez entendu un petit bruit, ça fait kuching. Non, mais je pense que notre équipe a perdu. Mais notre équipe, mais mon équipe, si vous êtes dans mon équipe, yes. Mais le, oh! Je sais pas si vous voyez bien. Bien, je vais le placer comme ça. Comme ça, vous pourrez voir les résultats du jeu. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, je vais changer de gun parce que je ne suis pas assez fort avec ce gun-là. Je vais essayer le Enzap 89 puisque tout le monde est assez fort avec. Et... on va utiliser des nouveaux souliers quand même avec un nouvel accessoire là. Tiens, on va utiliser le ninja. Je peux pas changer de vêtements parce que c'est le Splatfest Festival, si c'est mieux pour vous. Sinon, ça aurait été le fun, mais avec le qui mettrait comme une étiquette en disant que t'es dans l'équipe Amour, mais. Ou comme un petit bonhomme, comme ici, là, il y a un petit bonhomme, là. Comme mettre, le bonhomme sur les vêtements que tu portes pour au moins les améliorer lors que tu joues, là. Bon, pourvu que j'affronte l'autre équipe. C'est un vrai jeu quand tu peux affronter l'autre équipe. À part quand il n'y a pas de festival, c'est le vrai jeu aussi. Bon, on attend encore. Et c'est donc bien long, c'est la première fois que ça arrive que c'est long de même. Ah, je pense que le. Il y aura des joueurs qui vont venir. Ah oui. Parce que le temps avait augmenté. Si vous avez bien remarqué. Là, je joue contre Argent. Qui va gagner cette fois-ci? Ah, il y a le supermarché, c'est assez. On y retourne. Dans le supermarché, c'est assez. C'est assez d'être là quand même. Là. Ils disent sur son nom. C'est assez. À vos marques. Et c'est parti. Le ninja s'en va. Ou le ninja. Bon, c'est mieux de recourir à notre côté. Ça donne plus de points, je vous le dis. Saviez-vous que les chanteuses, c'est des japonaises? Bon, je suis content qu'ils ont, que Nintendo a décidé qu'ils vont faire les Amiibo de Perle et Coralie. Si vous ne le saviez pas, désolé de vous l'apprendre. Si vous avez eu l'intention de voir la vidéo. Que vous n'avez pas vu la vidéo encore et vous avez l'envie de la regarder, désolé de vous dire que Nintendo a décidé de faire le qu'ils vont les sortir. Je pense que si je me trompe pas, ce serait le 6 avril ou le 16. Est-ce que ce serait comme Ayo et Oli? Moi j'ai pas les amiibo de Ayo et Oli qui étaient dans le premier Splatoon. Oh yes, les 4! Dans le premier Splatoon, mais je sais qu'il y a qui c'était de la musique qui nous met des fois mais
On n'avait pas eu le temps de profiter de leur plateforme. Bon. Est-ce qu'on va la voir, là? L'autre équipe est en danger, là. Ça nous donne l'avantage pour l'instant. Yes! Oh! J'avais même pas vu que j'avais un autre. Bon, évidemment, il fallait qu'il nous suivait. Le petit suiveur, là. Ben, c'est les règles, là, c'est ça. On a le droit dans ce platoon, là. C'est juste une petite blague que je voulais faire, là. Bon, là, il faut se remettre au sérieux. Il faut gagner le festival, là. Ils n'ont pas le droit de perdre. Et c'est maintenant ou jamais. Encore une minute. Now or never. Comme qui tirait sur la chanson en anglais, là. Ouais, c'est en anglais. C'est maintenant ou jamais qu'il faut gagner. Nanana, c'est faut gagner. Tiens, je vais lancer ma petite bombe robot. Ah. Chromojet, élimination par le Chromojet. Bon, on va pas perdre et on y va. Bon, j'ai vu un pinceau qui était là. Et on dirait qu'ils vont nous dépasser. Ah, go! Je veux pas perdre, là. C'est pas le temps de perdre, ok, là, amour? On se fait confiance l'un et l'autre, là, et on va l'avoir! Bon, j'ai tiré ma bombe robot, c'est qui donne au moins plus l'avantage à mon équipe de gagner. On dirait que c'est mon équipe qui a gagné. Yes, 50,1% à 1086 points. 46,4% à 1006 points. Yeah! Félicitations à l'équipe. On a eu un bon ninja dans l'équipe. Bon. Je pense que j'aime bien le. J'aime beaucoup le Hands Up 89. C'est un très bon gun. Oh, j'avais combien de games que je joue pour vrai? J'ai même pas calculé ça. Bon, allons prendre un autre gun. On va prendre. Quel gun qui m'intéresse? Je vais prendre le double moucheteur nuancé. Et c'est parti avec un double ancreur. On est toujours en attente de joueurs. Voilà. La connexion à là où les autres consoles a échoué, veuillez et réessayer ultérieurement. Ah, on va aller changer d'équipement quand même, on va pas toujours garder le ninja là. Tiens, on va placer. Ah non. Et tiens, plaçons des lunettes. Et on va y retourner jouer. Pour encourager notre équipe, évidemment. On va rester avec les lunettes. Je pense jusqu'à temps que j'ai terminé à penser. Jamais j'ai goût de changer d'accessoire. J'espère que ma vidéo va vous plaire en ce moment. Si elle vous plaît, que vous voulez que je vous fasse une autre vidéo du Splatfest, écrivez-moi dans les commentaires. Si vous avez envie d'une autre vidéo du Splatfest, argent versus amour. Maintenant, puisque vous saviez que je suis dans le monde, c'était une surprise que je voulais vous faire. J'étais surpris, je voulais pas vous le dire dans une autre vidéo, mais j'avais eu aussi une méchante grippe la semaine passée. Bon, je joue encore contre mon équipe, là. Pourquoi ça peut pas être contre l'autre équipe à place? Tour, Jirel. Mode de garde de territoire, encre plus que l'adversaire. Ah, mais notre équipe est rose. Bon, on va tirer de l'encre rose, ce qui est déjà mieux. Oh, et moi, ça a l'air qu'il y aura un nouveau gun qui va arriver dans Splatoon 2. Peut-être que je l'ai dit durant la vidéo, et là, j'ai un petit peu oublié que j'ai dit. Sinon, il y aura un nouveau gun qui va arriver dans Splatoon. C'est un double ancreur. Ça a l'air que tu pourras faire 4 tours et tirer en même temps. C'est, j'ai bien vu dans la vidéo de Heavy Squeal. Je pense que c'est lui qui l'a présenté avec la nouvelle carte ou que quelqu'un me l'a dit. Bon, on va lancer la pluie d'encre. Bon.
Et on monte pour aller dans leur territoire. Quand même. Ouais, c'est dommage qu'on joue contre la même équipe. Et je me demande s'il y a quelqu'un qui me suit en ce moment. Je pense que oui. Pour ça, j'envoie ma pluie d'encre vers le bas. Je t'ai vu, MRG. Salut! Ah, mais je te faisais un petit salut, là. Viens pas m'éclabousser pour un petit salut, là. Pas grave. N'oubliez pas de toujours recouvrir votre carré. Après, on va voir si je joue contre l'autre équipe. J'aimerais tellement ça. Bon, si ça va aussi, vous voyez que mon Inkling fait 2-3 pirouettes et que la caméra va trop vite pour vous. C'est parce que mon Inkling roule. Oh non! Oh misère! Que c'était laid! Qu'est-ce que. Ah oh, Seigneur! Ah oh, lol! Le parent m'a fait tomber! Il doit en avoir ri, le joueur! Je m'approche plus de lui! Ah MG! MRG! Pam 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 pam. C'est maintenant ou jamais, il reste une minute, je l'ai pas dit, c'est pas. Pour moi, la chose que je sais, c'est que l'amour est bien populaire. C'est pas, c'est, ça a déjà été un des Splatfest dans Splatoon 1 au Japon. Et je sais pas qui a gagné dans ces deux-là. Ayo avait pris amour et Oli argent. Mais nous, c'est Perle qui a pris argent et Coralie qui a pris amour. Yeah! Première victoire contre mon équipe. Bon. On va faire une dernière partie. J'espère de jouer contre l'autre équipe au moins. Je l'espère. Bon, on va aller changer d'équipement un peu parce que je pense que pour finir, on va pas utiliser les lunettes. Et on va changer de gun en même temps. On va prendre le push-push premium. Tiens, on va prendre lunettes demi-cerclées. Et on va finir avec les hippo-hautes rouges. Et on y retourne. Jouer. Bon, on va toujours attendre d'autres joueurs. Mais des joueurs dans mon équipe. Bon, enfin, mon équipe est prête. Yes. Si vous avez pris l'équipe Amour, yes, vous êtes bon, vous autres, ou bonne. Vous avez fait le bon choix. Je trouve, là, je vous encourage de gagner. Ou même juste se dire, OK, moi, je peux faire plus Amour. Même si vous n'avez pas la Nintendo Switch ou Splatoon 2, faites juste décider quelle équipe qui vous intéresse le plus. C'est déjà un bon début. C'est fun quand vous pouvez dire, OK, moi, même si j'ai pas la Switch ou j'ai pas le jeu, je préfère plus cette équipe-là. Vous avez le droit, mais c'est ça qui donne le goût de donner aussi l'avantage à gagner. Mais l'avantage à gagner de l'équipe. C'est comme si vous regardez un match d'hockey, comme on va dire Pittsburgh contre les Canadiens. Genre, je vous dis, j'aimerais bien que ce soit Pittsburgh qui gagne ou j'aimerais bien que ce soit les Canadiens qui gagnent parce que ça, il y a ce. Comme ça, là, tu dis, je joue parce que ce joueur-là est vraiment bon puis tout. Là. Ah, dommage, c'est comme mon équipe. Comme là, ouais, c'est vous qui décidez laquelle que vous avez l'envie qui gagne et que demain que nous pourrions savoir les résultats. Plateforme polymorphe. Et c'est parti. Bon, je sais que je l'ai mis en retard un peu là pour ma sorte de petite tournade là.
Ah, maintenant, c'est l'autre équipe qui a le rose. J'aurais voulu que j'aurais le rose. J'espère que si je joue une dernière game à soir, avant minuit, évidemment, j'espère de jouer contre l'autre équipe, évidemment, ce serait plus le fun. Il y en a un qui vient me battre. Oh! José Sotox, yes! On va l'avoir quand même. Toujours peindre, mettre de la peinture alentour de votre cercle. Ouais, je vais éclabousser un joueur avec mon canon. Ah, recharge! Oh! Élimination par ping, malance. Ah, Seigneur, j'ai pas réalisé qu'il fallait que je sorte au plus vite. Bon, mais là, c'est comme... Est-ce que vous pensez que ça va donner un point à mon équipe ou que mon équipe va perdre un point à cause que je joue contre mon équipe? Parce que moi, je sais vraiment pas... Pour vrai, là, même si je joue contre mon équipe, même si quand j'ai fait un festival dans le premier Splatoon, je ne sais vraiment pas si quand on apprend notre équipe, je ne sais pas si ça nous fait gagner un point ou non. Élimination par le canon. C'est génial. Ah, pourquoi je me fais toujours éclabousser quand j'ai mon smash? Encore une minute, c'est maintenant ou jamais! Faut gagner, là! Ah, là, c'est mon équipe, là. Bon, on va aller prendre la petite boule, là. Hé, ça passait proche. Ah, là, j'ai pensé qu'il fallait le tour! Aïe, aïe! Ping malance! Aïe, aïe, aïe! On va pas finir avec une défaite, là. Je pense qu'à chaque fois que je joue à ce plateau, avant que je dois vous laisser, je vous laisse toujours avec une défaite, là. C'est une vraie déception. Cette fois-ci, là, je veux jouer contre l'équipe adverse. Eh, hey, mais lâche-moi, vous gagnez, là. Je viens pas m'éclabousser pour ça. Élimination par le calibre 2000 chic. Ça a été un nouveau gun, lui aussi. Yeah, sorti récemment. Bon, mais nous avons perdu contre notre équipe. Si vous êtes dans Amour, si je dis notre, c'est parce que je vous crois comme... Je crois que vous êtes que vous avez fait le bon choix pour le Splatfest. Si vous avez fait le contraire de mon équipe, c'est mon équipe. Ah, que j'étais nul sur cette partie-là pour 882 points et j'étais le dernier de mon équipe. C'était pas la meilleure game. Bon, pas grave. Nous allons faire une dernière partie cette fois-ci. Avec mon gun qui va sûrement nous sauver. J'aimerais bien que le gun que je vais prendre va nous sauver. Et c'est le liquidateur héroïque réplique. Bon, on est capable. On est capable dans le supermarché. C'était tour j'irai, je voudrais bien. En cette dernière partie. Ou la plateforme polymorphe. Parce que c'est elle, d'habitude, c'est toujours deux maps. Dans 2 heures, ils vont changer. Là, il reste à peu près 1 heure, je pense. Bon, mais si je joue contre mon équipe, évidemment, je vais finir la partie. Et après, on va se laisser. Mais je voudrais jouer contre l'autre équipe, évidemment. Pour finir la vidéo. Sinon, comme que je le disais tantôt, si vous voulez que je fasse une autre vidéo de Splatoon 2 à cause du festival, écrivez-moi dans les commentaires. Ça serait vraiment très plaisant si vous avez l'envie. Ah non! Bon, mais ça finit que je joue contre mon équipe. Alors, ça va être comme ça, à part si vous voulez que je fasse une autre vidéo tantôt. Ah, tour Jirel, mon mode de garde de territoire entre plus que l'adversaire. Comme que je l'ai dit, je voulais faire une dernière dans tour Jirel ou plateforme polymorphe.
Tour Girel, je pense que c'est une des préférées de tout le monde, pour vrai. Parce que j'ai vraiment trippé sur la Wii U, sur cette map-là, et moi, je voudrais tellement que Passage Turbo revienne. Si vous ne connaissez pas la map Passage Turbo, écrivez Splatoon Passage Turbo. C'était l'une des premières cartes que j'ai testées, et je l'ai vraiment trippé. Bon, on va mettre du vert un peu partout, puisque c'est pas la bonne couleur que Nintendo veut nous faire comprendre. J'ai déjà rendu dans leur base, c'était pas si long que ça. Et misère, hey, Seigneur, j'ai eu peur. Pour vrai, je m'en niaise pas, hey, Seigneur, j'ai eu peur, là. Sario, tu m'as fait peur. Hey, Seigneur, quand j'ai vu son oncle arriver, là. Hey, je pense qu'il y en a un qui vient, là. Misère! Yeah! Bien! Miaou, maudit bon, mon robot! Hey, c'est tout! Sario! Ah, Seigneur, tu me fais rire, Sario! Ah, il y a un joueur qui a le même gun que moi, mais pas mais dans mon équipe, mais du côté adverse. C'est quand même difficile à dire. Je joue contre mon équipe, c'est bizarre quand même à prononcer, c'est que je joue contre... Tu joues contre quelle équipe? Contre l'amour, mais t'es dans l'amour, je le sais! Oh yeah, j'ai éclaboussé! J'adore que le gun que j'ai est en train de me sauver! Ouais. Non, 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 yeah! Stéréo, c'est... Tu m'as pas cette fois-ça. Faut que je monte au plus vite. Pesez sur B quand vous montez au... les murs. Sur Wii U, je pense que c'est Y. X ou Y. Encore une minute, c'est maintenant ou jamais. De ne pas rencontrer Stéréo. Parce que je vais sûrement le rencontrer durant la dernière minute de jeu. Hé, Seigneur! Ah, que je suis peureux! Je suis peureux! Mais Seigneur, joues-tu un jeu d'horreur comme Five Nights at Freddy's? Ça fait deux fois que j'ai peur dans la vidéo! C'est la première fois que ça m'arrive, au vrai. Ah non, non, non! Oh, Stéréo! Maudit que t'es toujours là! T'es dans mes pattes! Non, non. Oh non, on va le faire rencontrer! Ouais. Non, pas se rencontrer, je voulais dire, oh, ça va être pas mal l'égalité! Eh non, 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 non! On a perdu! Oh, mais quand on a truqué par contre, une fois! Bon, mais c'est terminé, là! Ça se termine. Maintenant, on va écouter un petit peu la musique du festival de Perle et Coralie, évidemment. À 17h, les maps vont changer. Je vais aller checker en même temps c'est quoi les maps de 17h jusqu'à 19h. Je pense que c'est bien de 19h. Ça va finir avec une défaite, la vraie déception. Demain, puisque je vais faire une vidéo de Splatoon 2 pour les résultats, évidemment, que je vais vous montrer d'autres matchs, mais j'espère de gagner. Bon, les cartes. De 17h jusqu'à 19h, c'est Institut Calmar et Sainte-Sirène avec la plateforme Polymorph. Dans le Salmon Run, il est ouvert, mais je n'y vais pas parce que ce n'est pas un festival. C'est juste pour eux qui n'ont pas de Splatfest en ce moment. Bon, écoutons un petit peu la musique. Perle, c'est elle qui est à gauche et Coralie est en haut. On va monter un petit peu le volume. En bientôt, c'est Coralie qui va chanter.
Bon, mais j'espère que ma vidéo vous a plu. Juste à m'écrire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo de Splatoon 2 avant que le Splatfest s'est terminé, parce que c'est quand même un événement qui est à ne pas manquer. Ça veut dire que si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, et mettre des commentaires. Si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo de Splatoon 2, n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer un autre événement comme ceci de Splatoon 2. Mais activez la cloche pour vous faire avertir que j'ai fait une autre vidéo. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je suis Sam Pic. Et on se retrouve dans une autre vidéo, peut-être de Splatoon 2 tantôt, si j'ai le goût. Et si vous voulez m'encourager, venez écrire dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo, parce que c'est le fun quand même quand il y a Splatfest. Je vous dis merci de votre écoute. À la prochaine.